Salut à tous, on se retrouve pour les défis du coup de la saison 10, donc road trip, détruire 10 panneaux stop en portant la tenue d'Elic qui fait partie de l'ensemble nomade, donc voilà vous l'équipez. Et ensuite vous détruisez des panneaux, je vais vous montrer du coup les villes les plus rentables. Donc c'est parti, on se trouve du coup en game. Donc voilà, on se trouve en game, donc je vais vous montrer du coup les villes les plus rentables où il y a le plus de panneaux stop. Donc c'est pas la peine de penser à Tilted ou autre, il y en a vraiment très peu. Donc, voilà, donc à l'écran je vous ai affiché la carte du coup. Donc vous avez Pleasant Park, vous en avez plusieurs, vous avez Mega Mall, vous avez du coup Salty Spring et vous avez Paradise. Donc je vous conseille, si vous avez le spawn du coup, de faire Mega Mall, Salty Spring et Paradise, parce que c'est les trois villes qui sont côte à côte pratiquement. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, mais en tout cas je vous conseille d'aller dans ces villes pour aller du coup péter les panneaux. Voilà, déjà Pleasant Park, on a déjà un panneau, donc hop. Donc il y en a normalement 2, 3 dans cette ville, peut-être 4. Après si vous avez d'autres joueurs, je vous conseille quand même de le faire en fin d'empoigne. Regardez là où il y a très peu de personnes qui vont du coup. Donc là pour le coup je suis solo vu que j'ai lancé tout seul. Mais comme je vous ai dit, les défis comptent pas, donc c'est pas très grave. Donc là hop, on a 2 panneaux, donc on va voir quand même combien de panneaux on récupère. Donc 3 panneaux, 4 panneaux déjà. Donc en vrai, je vous conseille d'aller à Pleasant Park parce que là, franchement, déjà vous pouvez le voir, on a fait déjà. Alors attendez, hop, je récupère juste ces deux derniers, on va regarder déjà combien on est. Donc franchement, avec juste Pleasant Park, on a déjà 7 panneaux. Donc en fait, vous pouvez le faire en une game si vous allez à Pleasant Park, j'ai l'impression. Après, il faut qu'il y ait du coup des personnes qui ne les aient pas pris. Mais si vous les cassez à vous tout seul, bah, vous l'avez fait en une game du coup. Donc on le voit, il y en a encore d'autres, donc on va les faire histoire 2, mais voilà. Donc voilà, hop. Alors ça c'est pas un panneau par contre, donc ça c'est une petite erreur. Donc là normalement on va voir si on peut faire les 10. Donc normalement en face, là ça en est pas un, si ça ça en est un. Non, ça ça en est pas un. Donc là hop, donc là on a 8, 9, donc il nous en reste plus qu'un. Donc oui vraiment on peut faire les 10 j'ai l'impression. En une seule game, donc si on va à Pleasant, donc faut vraiment que personne vienne avec vous. Mais sinon, comme je vous ai dit, vous avez les autres villes, vous avez Mega Mall encore, vous avez Salty, vous avez Paradise, et du coup, vous avez Pleasant Park. Donc hop, et là, normalement, on a le 10e qui est. Bah, j'ai cru que c'était. Bah voilà, le 10e est juste là-bas. Donc vraiment, bah, je vous conseille du coup d'aller à Pleasant si vous avez moyen d'y être tout seul. Hop, donc nous, on prend le dernier. Et voilà, nous on a du coup les 10 panneaux. Donc voilà, vous avez terminé le défi. Donc voilà, comme d'habitude, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. A plus et à la prochaine.